signe solaire ascendant et lunaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture du mois d'août, une lecture générale, donc prenez toujours qu'est-ce qui fait écho avec vous, car une lecture générale ne peut pas parler à tous les taureaux du monde. Si après vous désirez une lecture personnelle, vous pouvez me contacter par mail à themagicarcordissa@libox.fr. Nous allons voir un peu tous les domaines. Et si vous ne trouvez rien qui vous parle ici, ou si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir vos autres signes qui sont en train d'arriver tout doucement. Alors, nous allons commencer tout de suite par l'énergie. Et en énergie, j'ai un 10 d'épée renversé avec un 6 de coupe renversé et un 9 de deniers renversé. Tout est renversé, mes chers amis. Alors, avec le 10 de coupe renversé, là, on nous parle de quelque chose qui a pris fin, qui va prendre fin durant ce mois d'août. Donc, vous pouvez l'associer à n'importe quel domaine. Il y a un échec que vous allez vivre dans n'importe quel domaine. Ça va être dur, hein, je suis désolée, mais vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent et qui me suivent, que je vous dis toujours la vérité, parce que je suis là surtout pour vous aider, pour vous apporter des solutions, des directions, pour justement que vous sortiez de toutes ces difficultés. Et là, cette carte-là me parle quand même d'échec, de fin, de toucher le fond, se sentir impuissant. Il y a quelque chose que vous avez perdu récemment, que vous allez perdre durant ce mois d'août. Ça peut être un travail, une maison, peu importe. Mais voilà, donc c'est quand même un peu lourd. Nous allons voir au fur et à mesure de la lecture, voir si nous arrivons à y comprendre un peu mieux. Et puis surtout, comment affronter tout ça. Le 6 de coupe renversé. Alors lui, il vous parle de regretter des décisions que vous avez prises. C'est peut-être vous qui avez mis fin à une relation, que vous allez mettre fin, et il y aura des regrets. En tout cas, cette carte renversée vous demande de vous libérer de la tristesse et de la culpabilité, des regrets, de les supprimer, quel que ce soit que vous avez pris comme décision, que ça a été dur, de là cet échec, de là, ces émotions négatives, se sentir avoir touché le fond, être dans l'impuissance, la perte, peut-être que vous avez mis fin à une relation. Là, on vous demande d'y faire face. Et avec le 9 de denier, mes chers amis, la carte du 9 de denier renversé, elle vous dit aussi que vous avez besoin d'aller vers une réussite matérielle pour certains. Vous êtes peut-être un peu trop... Vous devez prendre conscience, en fait, que l'argent, lui seul, ne suffira pas. Peut-être que vous portez un masque, que vous faites voir aux autres que tout va bien, que vous êtes épanoui, que tout se passe bien, mais que finalement, ce n'est pas le cas. Voyez, donc je ne sais pas dans quel domaine vous avez pris peut-être vous un choix ou vous avez subi en tout cas cette perte qui va vous mettre un peu KO, plus bas que terre, mais ne portez surtout pas de masque. Dites les choses comme elles sont et pour pouvoir sortir de tout ça, essayez de vous reprendre, d'accepter. Nous allons voir dans le sentimental. J'ai un 7 d'épée. Ouais, avec un 5 de pentacle, avec un page d'épée, d'accord. Pour quelqu'un, il y a un problème dans le sentimental. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez mis fin à une relation, ou si c'est quelqu'un qui vous a quitté, qui va vous quitter. En tout cas, vu que c'est le mois d'août, c'est d'ici quelques jours, il y a peut-être déjà des premiers signes qui vous l'indiquent. Vous savez déjà, une relation ne prend pas fin comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, avec le 7 de coupe, on parle de trahison. Donc, on vous a peut-être trahi, mes chers amis taureaux, dans le sentimental. En dépit que ça puisse vous faire mal, voilà, vous avancez en silence. C'est peut-être pour ça que vous portez ce masque. Peut-être que vous ne nous l'avez pas encore dit, que la situation dans votre couple ne va pas. Donc, vous faites encore semblant, mais pour quelqu'un, il y a des difficultés vraiment. Mais ça va prendre fin. Vu les cartes que nous avons eues dans les énergies, il y a des relations qu'elles vont finir.
Je ne sais pas si c'est vous qui mettez fin ou si c'est quelqu'un, si c'est la personne en face de vous, ce que il vous procure des blessures, bien sûr, hein, que ce qui vous procure aussi des difficultés. Mais il va falloir demander de l'aide, mes chers amis. Ne portez pas de masque. Si vous vous sentez abandonné, si vous avez des inquiétudes au sujet aussi de votre propre sécurité, demandez de l'aide pour pouvoir justement avancer. Voyez, nous avons une page d'épée qui parle d'avoir quelque chose qui bouillonne en vous. Vous avez des informations, mais vous allez peut-être apprendre quelque chose. Cette trahison, hein, peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Après, ce n'est pas forcément que l'adultère, mais peut-être la personne avec laquelle vous vivez va vous faire un coup bas, je ne sais pas quoi. Et vous allez apprendre quelque chose. Ouais, vous allez recevoir des messages. En tout cas, il y a des incertitudes. Il y a la notion d'apprentissage, mais dans ce cas-là, moi, je le sens comme quoi vous allez apprendre quelque chose ou vous l'avez peut-être déjà appris. Hein. Ce qui vous procure beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Nous allons couvrir, mes chers amis. Nous avons la santé. Waouh, l'échec et le retard, ouais. Ouais, ok. Donc là, le message principal, mes chers amis, vous savez que je parle avec l'intuition. Là, il y a quelqu'un qui ne va pas trop bien. Il y a vraiment cette notion d'échec dans la relation. Quelque chose qui s'est détruit, qui s'est cassé. Il y a mis du temps, hein. Vous avez peut-être mis du temps à le comprendre. Ou tout simplement... vous allez décider d'y mettre fin. Et ça, ça a pris du retard. Peut-être que vous espérez que la chose pouvait s'arranger, mais finalement, non, mes chers amis, il faut laisser partir. Il faut laisser partir tout ça sans regret pour pouvoir vous reconstruire. Hein. C'est ce qu'on vous disait avec le 6 de coupe renversé. Ouais, des relations très difficiles. Nous allons voir dans les relations en général, hein. Amis, famille, boulot, voisins, mais pour certains, ça peut se rattacher au sentimental. J'ai un roi de pentacle qui parle de stabilité, quelqu'un qui a su construire quelque chose et maintenant, il est serein. Il est dans l'abondance, dans la sécurité. Un 7 de pentacle. Il y a d'autres amis taureaux qui, avec beaucoup de patience, ont planté et ils attendent maintenant pour récolter. Et ils attendent pour pouvoir célébrer cette récolte. Alors, il y a des amis taureaux que dans le relationnel, hein, tout type de relation, se sentent en sécurité. Ils sont entourés de personnes sur qui ils peuvent compter. Nous avons là avec le pape justement des personnes qui peuvent être vos mentors, votre guide. Et avec beaucoup de patience, voilà, vous avez su construire des relations quand même stables. Avec les amis, peut-être au travail. Voilà, avec des gens que vous fréquentez en tout cas. Et dans la famille, donc vraiment votre famille, hein, pas votre couple, il y a des personnes qui ont des relations sereines en fait, sur qui vous pouvez compter, c'est ce que je sens. Donc demandez de l'aide, parce que c'est ce qu'on vous demandait aussi, ne portez pas de masque, demandez de l'aide pour qu'on puisse vous aider. Vous pouvez compter sur des personnes qui sont très stables, probablement vos parents. J'ai le miroir magique, la carte magique qui annule toutes les cartes positives, l'étranger, la sexualité. Il y a des relations très passionnelles ici, mes chers amis, un lien avec l'étranger. Quand je parle d'étranger, ce n'est pas forcément notre pays, ça peut être peut-être votre famille qui vit à distance. Et comme je vous disais, vous pouvez compter sur votre famille. Hein. Donc, il y a la carte de la sexualité, là pour moi, ce que je sens, ce que je vois, et je le sens vraiment, hein. Je le perçois en regardant cette carte, c'est l'amour. Peut-être que votre famille vit loin, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas encore au courant, que vous n'avez pas tout dit. Mais en tout cas, sachez que vous êtes protégé, que vous allez y réussir. Donc, dites qu'est-ce que vous avez sur le cœur et surtout réglez le problème de couple, de votre vie sentimentale en parlant, en discutant et vous faisant aider par votre propre famille. Pour d'autres, on peut parler de nouvelles rencontres, alors peut-être d'un voyage, hein, de nouvelles rencontres avec des nouvelles personnes, que ça vous réussira, peut-être des amitiés qui vont durer dans le temps. Et là, dans le relationnel, peut-être aussi que pour les amis célibataires, vous allez faire une rencontre très passionnelle. Ça serait peut-être question que pour l'été, hein, le temps du voyage, mais à l'étranger ou dans une autre région, département. Mais ça va vous réussir, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. C'est peut-être qu'une histoire de sexe, hein, pour l'été, pour s'amuser, passer du temps, voyez-vous. Mais ça va être très passionnel, très charnel, lors d'un voyage, lors des vacances. Donc certains auront cette chance de rencontrer quelqu'un. Après, vous savez que bon, c'est pas parce que on rencontre quelqu'un lors des vacances que c'est forcément que sexuel. Hein. Ça peut être une très belle histoire d'amour qui pourra continuer même après. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles rencontres amicales.
Et pour d'autres, on vous parle vraiment, si vous avez de la famille qui vit à distance, cette famille peut vous protéger. Donc si même vous vivez une relation qui est peut-être dangereuse pour vous, que la personne en face vous fait peur, mes chers amis, confiez-vous, allez peut-être chez votre famille, vous aurez le soutien dont vous avez besoin. Sous le travail et les projets, j'ai un 7 de bâtons, un 2 de pentacles et un 9 de bâtons. Ok. Alors, avec le 7 de bâtons, là, on vous parle de quelqu'un qui est en mode se protéger dans une petite boule dans sa zone de confort. Mais non seulement, parce que ce 7 de bâtons nous parle aussi de défis, de quelque chose qui se met en mouvement, qui est en train de grandir, de protéger vos idées. Si vous avez envie de créer quelque chose pour mettre à votre propre compte, ou si vous avez un projet, en fait, vous êtes aussi en train de protéger votre propre créativité, vos idées, pour pas qu'on vous les pique. Mais pour l'instant, vous vous sentez un peu vulnérable. Donc, de là, cette bulle où vous vous protégez. Peut-être que vous méditez. Quand je dis méditer, peut-être que vous réfléchissez à comment le mettre dans la matière, ce projet qui vous tient à cœur. Donc, pouvoir l'exprimer. Et pour cela, il va falloir justement jongler pour trouver un équilibre. Il y a quelque chose sur le travail sur lequel vous vous êtes mis un peu en mode protection. Tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre pour le moment. Si c'est un projet que vous voulez faire, vous voyez, même avec le 9 de bâton, hein, avec le 9 de bâton, on vous dit que vous savez, avec le 9 de bâton, vous êtes déterminé à réaliser votre projet. Pour l'instant, peut-être vous n'avez pas les finances. Donc, vous êtes en mode protection, vous protégez votre idée, vous n'en parlez peut-être pas trop, mais vous êtes déterminé. Mais pour l'instant, vous êtes obligé de rester sous la défensive parce que peut-être vous n'avez pas les finances pour le créer. Et si on parle d'un travail général, mes chers amis, il y a quelqu'un qui jongle un peu parce que peut-être il a recherche d'un travail. Il attend qu'on puisse lui proposer quelque chose. Donc pour l'instant, il ne prend pas trop de risques. Il se protège comme il peut. Nous allons couvrir. J'ai le cadeau, justement le travail et la trahison. Alors, sur le travail, il y a des amis, je vous le dis clairement, hein. Il y a des amis qui vont trouver un job durant ce mois d'été, peut-être un job saisonnier, peu importe, mais voilà, acceptez ce cadeau. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir des reconnaissances sur le travail. Et pour d'autres encore, c'est quelqu'un qui va vous tendre la main si vous affrontez des difficultés sur le travail. Maintenant, la carte de la trahison. La carte de la trahison dans le travail, elle peut me dire de faire attention pour certains amis taureaux. Ou peut-être vous avez un travail que pour l'instant ne vous pose pas problème. Ou quand même, il y a des problèmes. Faites attention que quelqu'un ne vous trahit pas. Parce qu'avec la carte de la trahison, elle symbolise aussi la duperie, l'hypocrisie, le mensonge. Il y a peut-être quelqu'un au travail qui vous fait croire quelque chose et finalement, ce n'est pas du tout ça. Vous vous attendez à ce cadeau, peut-être à une promotion, mais finalement, ce n'est pas vrai pour certains, hein, pas pour tous, hein. Et pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur propre compte, faites attention à la jalousie des autres. Donc, vous faites bien de protéger vos idées, de ne pas trop en dire. Et quand vous aurez tous les éléments pour le mettre dans la matière, vous le ferez. Et pour d'autres encore, vous allez trouver un travail, hein. Ne perdez pas espoir. Ne vous trahissez pas vous-même en vous disant que, voilà, probablement ça n'arrive pas. Voyez, non. Après, vous adaptez. Pour les finances et le matériel, j'ai le diable. J'ai un 4 de bâton et j'ai un 3 de bâton, mes chers amis. Alors, vous savez que je vais commencer par le 4 de bâton et vous comprendrez après pourquoi je prends le diable en dernier. Alors, avec le 4 de bâton, ce 4-là, il vous parle de, comment dire, faire la fête, de s'amuser, de se rapprocher des gens, de passer des bons moments. Et pourquoi? Parce que vous avez fait des efforts et maintenant vous voulez en profiter. Peut-être que vous avez travaillé durement, vous avez mis de l'argent de côté pour en profiter durant tout cet été. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, vous progressez, vous allez dans la direction qui vous fait plaisir, vous passez du bon temps. Or, avec la carte du diable, on peut vous dire que vous allez vivre... Là, nous sommes dans le matériel financier. Donc, même si vous avez mis des sous de côté pour pouvoir vous divertir durant ce mois d'août, si vous devez partir en vacances ou si vous voulez passer du bon temps avec les amis, faire la fête, vous amuser, vous voyez, maintenant, vous avez tourné un peu le dos à tous les à tous les petits contraintes de la vie et vous voulez en profiter. Vous voulez vivre pleinement cet été dans la joie, dans le bonheur, dans le partage. Et on vous dit de faire attention parce que vous pouvez devenir addict à ça.
Et surtout, faites attention, parce que probablement l'argent que vous avez mis de côté avec ce diable qui vous mène un peu à la tentation de vouloir faire la fête, la fête, la fête, bah, que vous n'allez pas vous retrouver un peu coincé. Si, là, on parle d'addiction, on parle de tentation. C'est pas vraiment négatif, mais c'est quand même un avertissement, mes chers amis. Faites, et aussi pour d'autres personnes, faites attention qu'on vous manipule pas pour vous soustraire un peu. En fait, c'est vous qui payez toujours, vous voyez. Que donc, oui, on va faire la fête et tout ça, mais c'est toujours vous qui payez, payez, payez. Faites attention aussi de ce côté-là. Voyez, j'ai la fatalité sous le diable, hein. J'ai la séparation, j'ai la tranquillité. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui ne profitent pas de vous, des personnes peut-être desquelles vous devez juste vous éloignez un tout petit peu, si vous avez déjà vu quelque chose, ou si vous savez déjà qu'il y a des personnes qui peuvent être comme ça, pour être tranquille en fait, pour pouvoir en profiter, ok, tranquillement, mais éloignez-vous des personnes qui peuvent être là juste pour vous faire toujours payer, 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 que ce soit toujours vous qui payez tout en fait, qui comptent sur vous pour faire leurs propres vacances, pour leur propre amusement, divertissement. Et pour d'autres, faites attention aux addictions, séparez-vous de ces addictions. Ok, faire la fête, mais faites attention parce que vous pouvez rencontrer des difficultés après. Si vous voulez être tranquille, mes chers amis, ne tombez pas dans l'addiction. Ne vous faites pas manipuler par vos propres démons de vouloir faire la fête. Céder à cette tentation de vous dire, allez, je fais que ça, c'est ce que je veux parce que je veux me détacher un peu du quotidien. Ok, mais faites-le modérément, en fait. Voilà, nous allons voir le conseil. J'ai une reine de deniers. Un cavalier d'épée et l'instabilité. Alors, d'accord. Alors, la reine de deniers, qu'est-ce qu'elle vous dit? La reine de deniers, c'est une personne qui a des possibilités matérielles et financières. Hein. Certains, peut-être vous avez fait des sacrifices pour mettre de côté ce petit pactole pour pouvoir vous amuser, mais peut-être qu'il y a d'autres qui vivent une situation financière apaisante. Hein. Peut-être que vous faites, voilà, votre famille, c'est une famille qui a des moyens. Et c'est pour ça que je vous disais, faites attention que d'autres ne viennent pas justement pour profiter. Hein. Vous parle aussi de la reine de deniers parle aussi d'une personne qui peut être proche de vous, qui est très active. Peut-être que vous vous faites entraîner, c'est pour ça que vous cédez aussi à la tentation, vous voulez faire comme d'autres personnes, je ne sais pas. Mais communiquez toujours. Et surtout, la reine de deniers. Elle parle de stabilité, de sécurité, d'abondance. C'est quelqu'un de terre à terre. Elle a les pieds bien ancrés. C'est quelqu'un qui a travaillé sur elle et que elle s'est transformée. Elle est en paix avec elle-même. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle protège tout qu'est-ce qu'elle a. Avec le cavalier d'épée, alors, lui, il est là justement à vous dire que vous êtes peut-être en train d'être dans une action où vous avez pris des décisions bien sûr rationnelles, intelligentes, qu'est-ce que vous voulez déterminer. Mais si vous voulez sortir de cette instabilité, mes chers amis, ayez la volonté et surtout la détermination de ne pas céder à la tentation, de ne pas vous faire manipuler. Si vous ne voulez pas devoir affronter des difficultés hein, sur le plan matériel et financier, soyez déterminés à avancer et à avoir cette volonté héroïque en prenant vraiment des décisions rationnelles. Hein. Et ça, vous pouvez l'adapter aussi là où il y a les difficultés sentimentales. Mes chers amis, il va falloir, comment dire, vous sentir sûr, vous mettre en sécurité pour certains dans le relationnel, pour pouvoir avancer, pour retrouver la volonté de vouloir avancer, pour sortir de cette instabilité. Donc pour certaines personnes, en fin de doute, il y a beaucoup d'instabilité, hein, mais probablement parce qu'il y en a qui n'osent pas encore demander de l'aide. Hein. Or, vous devez avancer, mes chers amis. Nous allons voir l'énergie. Émotionnel. J'ai la carte de l'amour. Cette carte, je vous la lis car elles sont très intenses. Vous comprendrez bien. Et puis surtout, ça vous permet vraiment de faire le lien.
Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées, vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et réveille les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Il y a des couples sûrement où il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour parce que bien sûr, pas tous vivent les mêmes relations. Donc, vous adaptez bien, mes chers amis, qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Et même si vous passez une période très difficile, très très difficile, soyez à l'écoute de vous pour voir si vous pouvez sauver cet amour. Pour certains, d'autres, ils seront obligés d'y mettre fin. D'autres, il y a vraiment, je sens quelque chose de très malsain. Mais pour d'autres, où il y a des petites difficultés ou des difficultés même difficiles, mais qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, que ces difficultés peut-être causées par tierce personne ou pour la vie qui vous met face à des défis, vous êtes à un manque d'argent, vous devez affronter plein de difficultés, vous voyez. Essayez là de travailler. Faites-vous aider par la famille. Pour finir, nous avons un valet d'épée qui vous dit que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler. Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Demandez de l'aide, mes chers amis, c'est qu'est-ce que je vous disais là. Vous avez des gens qui peuvent vous soutenir. Demandez de l'aide, n'ayez pas honte. Pour pouvoir sortir de cette instabilité, pour pouvoir avoir cette détermination de pouvoir aller de l'avant, pour retrouver une tranquillité, une sécurité, une stabilité. Parlez. Parlez. Où il y a l'amour, allez vers des personnes qui vous aiment. Vous trouverez les solutions et ils vous aideront. Voilà mes chers amis pour les messages qui doivent arriver à certains d'entre vous pour ce mois d'août. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Apprenez vraiment ce qui résonne avec vous. Durant tout le mois, je vais refaire des guidances et d'extension hebdomadaire, ce qui nous permettra de voir si les énergies changent et s'il y a d'autres messages. Et dans un ou deux jours, il va arriver aussi la première quinzaine d'août pour le sentimental. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite de passer un très joli mois d'août et à très bientôt. Bye bye.